Hey, bonjour à tout le monde et une excellente année 2021 en espérant se revoir le plus vite possible, d'accord? En présentiel, bien entendu. Allez, on démarre. Allez, monsieur Bidachi. Allez, on est parti. Allez, attention au signal flexion sur les talons, que vous connaissez. Allez, et on maintient 2 secondes et on se redresse. Et on repart. Allez, 100. Et on repart. Le dernier. Allez, on croise. Et devant. Et j'avance. Et retour. Et on revient en position de trot normal. Ok, très bien. Allez, la tête haut, bas. Allez, latéral, droite, gauche. Ok, inclinaison droite-gauche. Ok, allez, on repart en trot. Ok, très bien. Allez, rotation des épaules. Je change de côté. À nouveau, j'alterne avant-arrière. Ok, allez, trop. Ok, très bien. Alors, allez, les coudes, flexion. Et l'autre côté, flexion, extension. Ok, on revient, les rotations. Allez, je change de côté. Rotation, j'alterne plusieurs fois. Et l'autre côté, même chose, rotation. Ok, on retourne en trot. Ok, allez, flexion des poignets, vous connaissez. Maintenant, l'échauffement. Allez, rotation. Ok, les doigts, les flexions, extension. Et on trottine à nouveau. Ok, allez, agéuqué, très souple. Allez, agéuqué. 4, 5, 6. Ok, très bien. Allez, Jodan Soto Uke. Allez, Jodan Soto Uke sur place, très souple. Voilà. Mais au niveau de Jodan, hein, pas ici.
Uchiuke, Uchiuke Shudan. Voilà, on vient chercher l'armement. Et Gedan Barai. Ni son chi o ok. C'est chi. Ok, très bien. Allez. Et rotation de la hanche. Et je change de sens. J'inverse à nouveau. Allez, j'alterne. Ok, très bien. Allez, je vais monter le genou et je pars sur l'extérieur. Les genoux, rotation sur l'extérieur. Voilà. Ok, je change de jambe, même chose. Voilà. Ok, maintenant, je reviens la jambe, ici droite, gauche en l'occurrence. Monter, monter. Pardon, extérieur, intérieur. Voilà. Extérieur, intérieur, ce coup-ci, je change d'exercice. Extérieur, intérieur. Ok, l'autre jambe. Ok. Voilà, très bien. Allez, à nouveau. Rotation hanche. Avec alternance. Du sens de rotation. Ok, allez, petit senkutsu, même chose ici. Rotation de la hanche. Voilà. Je change de côté. Ok, allez, on va monter en dynamique maintenant le genou bien dans l'axe au niveau de la poitrine, hein, et j'utilise ma main ici comme cible. Voilà. Et je repose derrière à chaque fois. Ok, je change de côté. Monter, reposer. Ok, très bien. Allez, les talons sont joints. Allez, flexion au niveau des genoux. Allez, rotation. Allez, j'alterne. Allez, ouverture. Échange de sens. Allez, très bien. Je vais monter sur les plantes de pied. Voilà, bien poussé vers l'avant. Et je vais étirer. Je rentre le menton. Et je travaille l'équilibre en même temps. Et je repose. À nouveau. Et je tire bien. Et je repose. Ok. Allez, zenkutsu un peu plus prononcé. Jambes arrière bien tendues. Je rappelle, un écart de hanche. Le genou avant vient masquer les orteils. Et je passe à l'opposé. Bien respirer. Allez, passage kokutsu. Allez, même chose de l'autre côté. Repassage zenkutsu à l'opposé et je viens poser les mains au sol. Voilà. Donc
Donc je vais changer de sens. Voilà. Ok, très bien, je remonte à la position Kibadashi et préparation Tsuki. Allez, hop, et son, chi, ho, ho, chi, chi, kyo, jo. Ok, on va doubler la technique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien, je passe en Shikodashi, donc les orteils un peu plus orientés sur l'extérieur. Et je descends, pas très souple, et je bouge. Voilà. Ok, très bien, allez, je vais passer sur un talon. Voilà, de façon à étirer ici les ischios et les adducteurs. Alors, je remonte la plante de pied, hein, les orteils vers moi. Surtout pas les orteils plongés vers l'avant. Et je passe de l'autre côté. Même chose. Allez, profitez pour bien respirer. Voilà, très bien. Allez, je vais repasser donc en Shikodashi, là, comme tout à l'heure. Simplement, je vais donc verrouiller les genoux et je vais descendre les mains le long des jambes. Bien entendu, tibia ici, cheville. Et je pose les doigts au sol. Voilà. Et je vais ici passer alternativement de la plante de pied au talon. Voilà. Donc c'était aussi un travail d'équilibre. Étirement et équilibre. Très bien. Alors je vais ramener progressivement les pieds l'un contre l'autre. Voilà, les mains sont au niveau des genoux pour l'instant. Et naturellement, donc le poids vers l'avant. Et je descends. Cheville. Et jusqu'à toucher le sol si vous pouvez. Voilà, maintenant vous allez fléchir complètement. Positionné sur les talons, les mains posées à plat. Voilà, je remonte, main au sol. Et une deuxième fois. Allez, étirement du bas du dos. Ok, remontez, flexion genou. Ok, allez, à nouveau les hanches. Voilà, lentement. Voilà, très bien. Allez, j'attrape une cheville et je colle les genoux. Allez, recharge d'équilibre. Si vous pouvez ou si vous le souhaitez, vous fermez les yeux. Ça vous permet de travailler l'équilibre un peu plus en profondeur. Et je recherche les sensations. Ok, allez, je change de côté. Même chose. Allez, genoux bien collés. Je rappelle, hein, tout simplement, la jambe d'appui peut être légèrement fléchie. Ça vous permet de mieux gérer en fait
le retour d'équilibre. Et je ferme les yeux si possible. Je cherche, voilà. Ok, très bien. Allez, on salue. Très bien, petit quillon, allez, sur les techniques de jambes. On commence par Yokogeri. Alors, si vous n'êtes pas suffisamment échauffé, on va commencer par des Yoko niveau Gedan, d'accord ? Yoko Gedan. Et puis, au fur et à mesure du quillon, vous pourrez éventuellement remonter un tout petit peu si vous le pouvez. D'accord ? Très bien, allez. En yoi, Hilari Kamae. Ok, donc je monte, frappe, ramener, c'est important, poser, d'accord ? Monter le genou le plus haut possible, même si je frappe au niveau Gedan. Plus je monterai haut et plus j'aurai une efficacité au niveau de ma technique. 1, 2, 3, ramener, poser, nawate. Allez, même chose, 1, 2, 3, poser, monter, 1, 2, et 3. Attention, les mains restent en garde. Pas de mains sur les côtés pour vous équilibrer. D'accord. Allez, mawate. Monter, frapper, ramener, poser. Monter genoux, frapper, ramener, poser. Voilà. Mawate. Allez, on y va. 1, 2, 2, mawate. Allez, on peut aller un tout petit peu plus vite si vous le souhaitez, un petit peu plus haut, si vous le pouvez. 1, 2, 1, 2, mawate. 1, 2, 1, 2, ok, yamé. Alors bien entendu, on a fait ici quelques allers-retours. N'hésitez pas à stopper quelques instants la vidéo et reprendre cette technique. 2, 3, 5, 10, 15, 20 fois, autant que de besoin, bien entendu. Très bien, donc, on reprend. On va associer cette technique de pied avec un uraken. C'est le bras qui correspond à la jambe qui vient de faire le yokogeri qui va faire uraken, puis gyakuzuki. Donc, ok. Donc, enchaînement de trois techniques ce coup-ci. Monter, yokogeri, poser, armé uraken, gyakuzuki. Ça va ? Allez, on y va. Attention, il arrive la main. Donc, jambe gauche devant. Allez, montez. Frappe, préparé. Uraken. Yakuzuki. Ni. 1, 2 et 3. Mawate. Même chose. 1, 2 et 3. Prends un peu de distance. Ni sombre. Alors vous remarquerez que en principe l'uraken se déploie pratiquement au même moment où la jambe qui vient d'attaquer repose au sol. D'accord ? C'est pas yokogeri et uraken. Hein ? C'est yokogeri préparation, uraken et frappe. Vous voyez ? Autrement dit, je prépare déjà mon uraken quand je ramène le yokogeri. Ça va ? Allez, on reprend. Allez, Hilari Kamae. On y va. Et ni sombre. Et ni et sombre. Mawate. Et ni sombre. Ni sombre. Vous voyez, l'armement de votre uraken, qui s'arme un peu comme un gedan barrage, je le rappelle, doit se réaliser pendant le ramener donc de la jambe. Ok, c'est très 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 important. On va encore faire un aller-retour ensemble et ensuite je vous laisserai éventuellement travailler en individuel. Allez, on change de côté, Migi Kamae. Et oui, Migi, jambe droite devant. Allez, hip. Ni sombre. Hip, ni, sombre. M'arrêter. Hip, hip,
Essambes. Oui, Essambes. Voilà. Petit retrait, bien entendu. Hein. Même si on n'est pas tout à fait en technique de combat ici, mais ça peut être perceptible lors du kyo. Hein. Retrait avec la hanche, bien entendu. Très bien. Allez, autre technique de jambe, Mawashi. Mawashi Giri. Coup de pied circulaire, alors que Yoko est coup de pied direct, mais de côté, bien entendu. Mawashi Giri. Bon, vous connaissez, hein, pareil. Vous pouvez travailler au niveau Gedan dans un premier temps, puis peut-être remonter un peu. D'accord, en fonction de votre niveau d'échauffement. Hein. Allez, Hirari Kamae. Maigeri, pardon, Mawashigeri, tout simplement. Et je repose. Et je repose. N'oubliez pas de bien ramener votre Mawashi avant de reposer. Hip. Ramener, poser. Ici, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je me méfie des meubles. Et je frappe au niveau Gedan. Mawate. À nouveau. Hip. Maintenez votre garde. Et. Awate. Et. Posez. Et. Voilà, vous voyez, on peut très bien faire un quillon. Hein, en tout cas pour les seniors. Hein, adapté pour nous. En travaillant Gedan. Hein, au niveau des jambes, il n'y a aucun problème. On est très très efficace. Et également au niveau Gedan. Hein. À renouveler autant que nécessaire, comme d'habitude. Éventuellement stop vidéo. Exercice suivant qui ressemble au premier. Eh bien, je vais tout simplement remplacer mon Yoko Geri dans mon enchaînement par le Mawashi Geri. Et on reste sur Uraken Gyakuzuki. Même chose. Très bien, allez, on démarre. Allez, Migi Kamae. Allez, jambe droite devant. Donc ça donne ceci. Mawashi, je repose Uraken Gyakuzuki. Ça va, Mawashi, je repose Uraken Gyakuzuki. Ça va, allez, je le fais dans le même sens que vous. Allez, Hirari Kamae, boum. Et bien tenir la garde. Hein. La règle est la même pour le Uraken. Au retour, au réarmement en fait, de votre Mawashi Geri, vous préparez l'Uraken. Et ni et sans, j'allais oublier le Gyakuzuki, faites pas comme moi. Et ni et sans Mawate. Là. Hip, ni et sans. Et je prends un peu d'espace. Hip, ni et sans. Allez, un dernier aller-retour avec votre entraîneur. Allez, ici jambes. Gauche devant. Hirari. Allez, hip. Ni. Sambe. Hip. Ni. Et sambe. Mawate. Hip. Ni. Sambe. Un peu d'espace. Hip. Ni. Et sambe. Ok. Et amé. Stop vidéo éventuellement. Et vous reprenez. Tout dépend du temps que vous avez. Et tout dépend de votre niveau, en fait, finalement, de compréhension de l'enchaînement. Hein. Très bien. Allez, on va passer donc à une technique de combat. On l'a déjà vue, mais c'est pas parce qu'on l'a vue une fois qu'il ne faut pas la voir. Hein, l'entraînement, c'est aussi la répétition, tout le temps et tout le temps répété, de manière à chaque fois à perfectionner. D'accord ? Peut-être vous souvenez-vous de cet enchaînement, donc petite technique de combat. Donc ici on va se retrouver bien entendu sur une position beaucoup plus haute, prêt à partir sur les côtés, arrière, devant, éventuellement changer de garde, bien entendu. Là vous pouvez remonter vos positions, je le dirai régulièrement. Alors, le principe, c'est une technique arrive, boum, je la pars. Alors, vous voyez ici, je suis resté main ouverte, mais ça pourrait très bien être point fermé. Donc cette technique, vous la connaissez. C'est Soto-Uke, d'accord ? Soto, à part ici, je fais main ouverte. Donc, 1,
D'accord. Je remise, frappe, guédane, hein, dans le bas-ventre. Remise. Si vous êtes plus à l'aise, main fermée, vous le faites. Un, deux. Ok. Et enfin, boum, vers l'avant, gyakuzuki. D'accord. Voilà, comme ceci. Un, deux et trois, gyakuzuki. Ok. Le gyaku, voyez, on le ramène de façon un peu robotisée au niveau de l'équité ici, mais ça peut être en protection. D'accord. Voilà. Hein. 1, 2 et 3. Allez, je vais faire dans votre sens. Pour que vous ne soyez pas perdu éventuellement. Donc ici, on se retrouve jambe gauche devant. Voilà. Hein, on sautille. J'imagine la technique arrivée. D'accord. 1. Je la bloque. Petit ori hachi vers l'avant. Boum. D'accord, frappe avec le tranchant ou avec le tetsui. Boum, ok. Et ici, gyakuzuki pour terminer avec éventuellement une protection au niveau de la tête. Voilà. 1, 2 et 3. D'accord. 1, 2, 3. Si je décompose, hein, je décompose encore. Vous pouvez m'accompagner, bien entendu. 1, retrait, absorption. 2, déjà là je repars vers l'avant, l'énergie repart vers l'avant, et encore ici peut-être pour aller chercher le partenaire qui pète moins. 3, peut-être que j'ai besoin de faire un petit tsugihashi. D'accord, déplacez-vous, bougez, c'est pas ça, hein, c'est pas, non, ça c'est pas la technique de combat, ça, hein. Ça c'est, je dirais, c'est du kion, d'accord. Non, ici, soyez beaucoup plus libre dans vos déplacements. Absorbez, repartez. Imaginez que le partenaire, lui, il ne va pas se gêner pour bouger, hein, d'accord. Il risque de vous déstabiliser. Il faut essayer d'utiliser et de s'adapter, en fait, à son rythme. D'accord. Voilà. Puis, 1, 2 et 3. OK. 1, hein, 2 et 3. Ça va. Alors, même chose de l'autre côté. Entendu, même principe. Hein. Change simplement de côté. Donc ça va donner 1, 2 et 3. Bien entendu, même chose. Hein. Là, j'ai jambe droite devant. Il faut travailler la symétrie. Travailler la symétrie, mais renforcer votre côté préféré. Okay. Mais ne jamais oublier la symétrie. Hein. Sinon, déjà musculairement, c'est pas bon. Vous déséquilibrez quelque chose. Okay. Voilà. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, même chose, hein. 1, 2 et 3. Je dois pouvoir aller aussi vite à droite et gauche. Si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous. Au début, ça sera, si vous êtes droitier, peut-être 10 fois à droite, 20, 30 fois à gauche, 40 fois à gauche, jusqu'à ce que le corps se mette en place. D'accord, les muscles se préparent. L'esprit également, ok. Et donc la mémoire du corps, à un moment donné, vous allez voir, elle va se mettre en place et votre corps va partir. Donc très important. Ok, alors, on va donc poursuivre sur la progression kata. Donc, la dernière fois, on avait travaillé la première phase. Enfin, j'avais demandé que vous travailliez la première phase de Nidan. D'accord. Ces deux côtés là, on va dire, les deux se sont identiques, hein, mais symétriques, d'accord. Et Sandan, ceci, d'accord. Alors, je vais vous demander ici de peut-être réfléchir à une application sur cette première phase, mais que d'un côté, hein, vous choisissez droite, gauche, peu importe. Donc, ceci, voilà pour Nidan, et ceci pour Sandan. Alors je vais simplement vous donner une piste, et ensuite, par rapport à cela, ben, vous essaierez de mieux peut-être imaginer la situation, le partenaire qui est en face de vous,
ce qu'il est susceptible de pouvoir faire, ce que vous allez lui demander d'ailleurs de faire, de façon à pouvoir adapter votre solution. D'accord ? Créer, imaginer votre solution de réplique. Voilà. Donc, on va imaginer simplement sur le Nidan ici, vous voyez, sur cette phase, boum, boum, d'accord ? Ben, je vais imaginer simplement ici que le partenaire me saisit le poignet droit. D'accord ? Il me saisit le poignet droit avec sa main gauche. Donc, on n'est pas en croisé, on n'est pas en saisie croisée. D'accord ? Sa main gauche, mon poignet droit, et il me saisit. Ça va ? Très simple, hein ? Il me saisit. Ben, qu'est-ce que je fais, moi, simplement, par rapport à cela ? J'ai le bras un peu devant, comme ceci, hein, avec le poignet saisi. Regardez bien, ma main droite et mon poignet droit donc étant saisi, je vais passer avec la main gauche en dessous. En dessous, d'accord ? En dessous. Et regardez bien, je vais me dégager. Donc il y a son bras qui est ici, là. Je vais dégager son bras. Comment ? Eh bien, avec deux actions simultanées, je vais tirer avec la main droite et dégager en même temps avec la main gauche. Ce qui donne ceci, ça ressemble étrangement à ça, d'accord ? Vous voyez ? Donc, essayez de tester, essayez d'imaginer, ou vous demandez à votre épouse, votre copain, votre copine, un enfant éventuellement, il vous saisit le bras et vous testez. Ouais, je me dégage. Voilà, je me dégage. Oui, je suis même pas obligé de fermer les mains d'ailleurs. Hein. Bon. Tiens, ça rappelle un peu Yoda, tiens. Vous voyez, ça, on peut le transférer en plus. Donc, saisie, dégagement. À partir de là, vous voyez, je suis ici, qu'est-ce que je dois faire ? Ceci dans le kata et ceci, d'accord ? 1, 2, tiens, il y a un tetsui là, ok ? Enfin, ça peut être identifié comme un tetsui. Tetsui droit, et enfin, ici, tetsui également, ou yoko, yokotsuki, ici, gauche, d'accord ? Ben, qu'est-ce que je vais faire ? Je viens de me dégager. D'accord ? En me dégageant, si vous réfléchissez bien ou si vous l'appliquez avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte que son flanc, ici, d'accord, est découvert. Son flanc est découvert. Ce qui fait que le bras qui est ici va venir frapper en urazuki, en remontant. D'accord ? 1, 2. Ça ressemble étrangement au kata également. En remontant où ? Dans quoi ? Dans les côtes flottantes. Il faut percevoir le partenaire ou il faut le faire avec quelques minutes. Votre copain, votre ami, peu importe. 1, 2. Juste pour voir la distance. Et enfin, une deuxième contre-attaque. Tout simplement, regardez bien. Le gauche, ici, le point gauche, boum ! Ah, dans la tête, dans la tempe, dans l'oreille, dans la mâchoire. Okay. Donc saisie de ma main droite, de mon poignet droit. Dégagement. Là, je vois une cible, les côtes flottantes. D'accord ? D'ailleurs, ce sont ces côtes flottantes gauche, en principe. Côtes flottantes, boum ! Et je passe, vous voyez, le point droit passe en dessous, ici, du bras gauche. Hein. Boum ! Frappe dans le côte flottante, d'accord ? Et pour respecter le kata, je peux être en kokutsu, très bien. Et enfin, ça tombe bien, parce que je viens d'armer ici, quoi ? Paum ! Un tetsui dans la tête. Ah, je vous en dis pas plus. Essayez. Essayez à droite. Essayez, pourquoi pas, de l'autre côté. Peu importe, votre côté préféré. Ça va ? J'insiste pas plus sur Nidan. Donc c'était au moins destiné à Laurent, bien entendu, qui travaille sur Nidan. Sandan, la première phase, regardez bien. Première phase, 1, 2, 3. Alors, Bunkai là-dessus, je vous préviens tout de suite, si vous restez sur ce type de position en Bunkai, bêtement, d'accord, vous ne ferez jamais un Bunkai. Hein. Un Bunkai, c'est déjà du combat, technique de combat. Vous devez changer vos positions, d'accord ? Peut-être les orientations, peut-être reculer au lieu d'avancer, ou le contraire, mais soyez certainement pas statique, soyez mobile. Réfléchissons un peu.
On va prendre la première phase. Et on va la prendre d'ailleurs de face. Hein. Donc, attends, profite. Ça, c'est bien pour la technique, ok, le traditionnel si vous voulez, mais pas en bunkai. Le bunkai, il est de face. Le bunkai est de face. L'adversaire attaque. Bah, j'imagine tout simplement qu'il attaque avec un zuki. À la limite, peu importe le côté. Un zuki. Un zuki, je vais le bloquer avec toi, par exemple, comme dans le kata, ou chiuke. D'accord ? Ou chiuke. Simplement, moi, au lieu d'avancer, je vais simplement reculer. Pourquoi ? Bah, c'est une attaque, un zuki. Moi, je recule sur une défense, d'accord ? Hein ? Oh là ! D'accord ? Simplement. Il poursuit avec une technique basse. Ça peut être un tsuki, réfléchissez. Ça peut être un maïeri, un zuki gedan, maïeri, ou coup de genou, pourquoi pas ? D'accord ? Eh bien, regardez bien ce que je vais faire. Je ne vais pas avancer comme dans le kata. Je vais continuer à reculer. Ma jambe gauche est devant, ici. Je ramène la jambe avant au niveau de la jambe arrière. Et regardez bien ce que je fais. Bah, son maïeri ou son tsuki gedan ici, ouais, bah, je vais l'intercepter. D'accord ? Je vais le bloquer. Okay ? Et ici, je peux imaginer effectivement de contre-attaquer. Alors, pourquoi pas sur place et plutôt en faisant un petit pas vers l'avant. D'accord ? Déjà, ça ressemble un petit peu plus à du combat. Je reprends. Regardez. Je reprends. Le zuki arrive, peu importe le côté, le zuki arrive, ça serait plutôt le droit, hein, mais bon, hop, je bloque, uchiuke. Maintenant il poursuit, avec une technique basse, ben, je fais mon gedan barai, et simplement derrière, uraken, urakenuchi. Alors bien sûr dans le kata c'est simultané, mais je ne suis pas obligé de suivre à la lettre, ce qu'on me dit exactement dans le kata, puisque ce n'est pas applicable directement en combat. Donc c'est 1, d'accord, 2 et 3. Et ça marche. Testez ce genre de choses. Pareil, c'est mieux de faire avec un. Même s'il n'est pas pratiquant, mais simplement vous lui demandez de faire ça. Vous lui demandez de faire ça, tout doucement. Et vous testez les distances. Au moins les distances et le réalisme. D'accord ? Et après, lorsque vous retournerez au dojo, quand vous aurez mis ça à peu près au point, je prends un partenaire tout de suite et je teste. Ça va ? Alors, il restait un mouvement, bien entendu. 1, 2, 3, admettons. Et si mon attaque d'Uraken n'a pas porté, regardez bien ce que je vais faire ici, mais je poursuis, un peu comme dans la technique de combat de tout à l'heure. Eh bien, je poursuis, boum, j'avance. Vous voyez, l'Uraken se transforme en. Alors, ce n'est pas un Gedanbara ici, c'est un Taisho. 1, 2. D'accord ? Et l'autre point, bah ici, il sert simplement à me protéger. Voilà. Il sert, vous le justifiez. Il sert à protéger. Il est en protection. Au cas où il y aurait une autre technique qui arriverait, Mawashi Giri, Mawashi Zuki ou autre, peu importe. Mais vous le justifiez. D'accord ? On reprend ici. Donc, première technique qui arrive, voilà, un Tsuki. Ici, par exemple, un petit Meyeri. Ou un Gedan, Tsuki Gedan, d'accord ? Je remise Uraken, qui n'a peut-être pas bien fonctionné, je poursuis, j'avance ici, j'avance, regardez bien, j'avance avec un petit Tioriashi, là, et BAUM ! Et je me retrouve bien dans la position finale de cette phase. D'accord ? Ça va ? Très bien. Donc, essayez, surtout, donc, Alinda, essaye de travailler là-dessus, d'imaginer. J'ai pas dit que c'était facile, d'accord ? Hein ? C'est plus facile quand la couleur d'un ceinture est différente, effectivement, que quand la couleur est plus claire, si je puis dire. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer, de tester, d'imaginer. Très important, la visualisation. Ok, voilà. Je vous laisse tranquille pour ces applications-là. Gion, on termine sur Gion, d'accord ? Oui, il reste effectivement environ 5-6 minutes. Parfait. Très bien. Alors, Gion, allez. Préparation, vous vous souvenez. Gion. Allez, on reprend tranquillement jusqu'où on était arrivé. Ok. Voilà. Double blocage, peut-être. Ou double attaque, pourquoi pas. Ou blocage, attaque alternée. Tête vers la gauche. Préparation. Bras croisés. Décroisés. Maïeri, je repose Zuki, Shudan, double Zuki. Tête.
tête à 90 degrés, mais en fait 45 degrés par rapport à l'axe du kata. Croisé, décroisé, frappe, zuki, zuki et zuki. Attention de ne pas vous laisser piéger par rapport à Yodan. Ici, il y a trois zuki et on est en zenkutsu. Voilà, je suis ici. Préparation. Ageuke. Yakuzuki. Préparation. Ageuke. Yakuzuki. À nouveau préparation. J'avance Ageuke et j'avance Oizuki qui aille ici. Rotation. Manjiuke. Kajizuki. À l'opposé, même chose. Dans l'axe du kata. Geden Barai. Je suis en Kibadashi, il y a 3 Taisho. 1, 2 et 3. Nouvelle rotation. Préparation. Uchi Jodan. Soete. À l'opposé. Préparation. Également Uchi. Double Geden Barai lent. Montez genou droit vers l'avant. Jujiuke, Gedan, retour, double Gedan Barai, j'avance, double Uchiuke, souvenez-vous, 1, 2, 3 et 4. Pour le détail, revoir la vidéo précédente, hein, si vous ne l'avez pas vue, d'accord? Très bien, on était arrivé donc ici. Rotation, Uchiuke, j'avance. Oizuki, à l'opposé, même chose. Uchiuke, j'avance. Oizuki, dans l'axe du kata. Geden Barai, montez. Montez le genou droit ici. Préparez. Otoshi Tetsui. Otoshi, ça veut dire du haut vers le bas. Tetsui, boum. D'accord. On tape avec la pomme ici vers le bas. Et on fait 3 fois. 2. Voilà, on reprend cette partie-là. C'est pas très très compliqué. Bon, les Uchiuke sont simples. Hein. Il y a juste cette technique Otoshi, hein, qui est certainement la première fois que vous le faites dans un kata, bien entendu. Donc, on était ici au Raken. Rotation, Uchiuke, j'avance. J'avance vraiment. Moi, je change de garde parce que j'ai pas de place. Hein. Tsuki, l'autre côté, même chose. Ici, Uchiuke, Egiyaku, gauche, tête, Geden Barai, montez genou, très haut, d'accord, très très haut, montez genou, pour ça que les échauffements sont importants, préparation du bras droit, boum, Otoshi, comme si je voulais casser l'attaque d'un partenaire, d'accord, une fois, je suis en Kibadashi, hein. Même chose de l'autre côté, même chose de l'autre côté, boum, même chose de l'autre côté, et frappe. Allez, encore une fois. Allez, 1, 2, à l'opposé, même chose, 1, 2, dans l'axe, 1, préparation, frappe, préparation, frappe Otoshi, préparation, frappe, et je suis toujours les 3 fois là en Kibadashi, d'accord, reste la fin du kata, d'accord, alors, donc ici, la fin du kata, je vais vous le faire un petit peu décalé, alors, je suis ici, je vais me mettre en diagonale, voilà, je passe en Nekoashidashi, jambe gauche devant, d'accord, ici, Nekoashi, la main droite vient au niveau, ouverte, vient au niveau de la poitrine, d'accord. Et je vais, ici vers la gauche, frapper Yokozuki, alors que l'autre main vient ici, d'accord, se fermer. Comme si finalement, je tendais un arc, un petit peu. Hein. Voilà, donc je suis ici, 1, 2, d'accord, ok. Là, on va reprendre ça. Essayez de le reprendre maintenant dans le sens du kata. Donc, 1, 2,
Ensuite, il y a un troisième mouvement, d'accord, qui est l'inverse, c'est-à-dire c'est plus la main droite qui est face à vous, c'est la main gauche qui vient devant la poitrine, d'accord. Et il y a un petit déplacement donc vers la gauche, vers la droite, pardon, ici, de manière à frapper de la même façon. D'accord. Bon, j'ai essayé de le faire de l'autre côté, peut-être que vous allez mieux voir. Parce que là, c'est plus compliqué ici. Donc, je suis là. Donc, 1, 2, 3, petit déplacement, et 4. Je remonte. Ce sera plus simple comme ceci, même si c'est un petit peu en miroir, mais vous allez, en réfléchissant, vous allez trouver. 1, 2, regarde de l'autre côté et changement de position. 3, regardez, petit déplacement. Et 4. Il y a un qui aille à la fin. Alors, particularité pour la fin. Ce mouvement, ce dernier mouvement, peut être également lent. Les deux mouvements peuvent être lents. Sauf que le dernier, d'accord, peut être rapide, parce qu'il y a un qui-aille. Alors, je sais qu'en compétition, il faut le faire de façon rapide. Par contre, nous, à l'entraînement, passage de grade, etc., que vous le fassiez lentement ou rapidement, peu importe. Mais si vous le faites lentement, il y a un qui-aille quand même. D'accord. Je remonte une dernière fois. Voilà. Oui. 1, 2, 3, et regardez ici, je vais faire vite, moi, boum, voilà, avec Kiyai. Ok. Vous remarquerez que la position, c'est Kibadashi, bien entendu. Ok. Allez, on reprend une dernière fois l'ensemble. Hip. Et... Sam, Shi, Go. Je reprends ma position de départ. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et 2 avec Kia ici. D'accord. Rotation, Manji, Kajizuki. Rotation, Manji, Kajizuki. Dans l'axe, 1, Genanbarai. 3 Taisho en Kibadashi. À nouveau Manji, Uchiuke Jodan. Manji, Uchiuke Jodan. Double Genanbarai lent. Montée, Genan. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Rotation, Zuki. Rotation, Zuki, Kelan. Attention, les trois. Utoshi en Kibadashi. 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Et je reviens en position initiale. Kata. Yoi. Et je salue. Voilà, donc l'idéal c'est de le voir ensemble, bien sûr, en présentiel, mais déjà, au moins langue buzen, même si on n'a pas le rythme pour l'instant, c'est pas trop le sujet, c'est de ne pas perdre de temps, en fait. Hein. Vous verrez qu'ensuite, ça ira beaucoup plus vite en salle. Hein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, éventuellement, et je vous dis à la prochaine fois, dans une prochaine, bien entendu, vidéo, et surtout, faites bien attention à vous, et j'espère très très bientôt en présentiel. Ciao, ciao.